Bonjour chers curieux de l'histoire. La dernière fois, nous étions quittés avec l'armistice de Strassenhof, signé le 3 juillet 1919, et qui laissait la Lettonie dans la situation suivante. Le territoire que le gouvernement national letton, dirigé par Ulmanis et réinstallé à Riga, a repris à l'aide de ses alliés estoniens. La portion du territoire, toujours dans la main des soviétiques et du gouvernement letton communiste, postée à Rēzekne. Enfin, la partie du pays occupée par les corps francs allemands de von der Goltz. Ces derniers ont dû déjà quitter Riga le 5 juillet, mais ils doivent également évacuer le reste de la Lettonie dès que possible. Cependant, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, le général allemand, qui l'a un peu mauvaise, ne s'avoue pas vaincu et n'a absolument pas l'intention de respecter l'accord qu'il a signé avec les alliés. Non seulement il fait traîner l'évacuation, prétextant le mauvais état des chemins de fer et les attaques de l'armée lettonne qui le retarderaient, mais en plus il continue de faire affluer des volontaires d'Allemagne. 1500 arrivent à Jelgava le 9 et 10 juillet, 1000 autres le 11. À la fin du mois, entre les corps francs déjà présents et les nouveaux arrivants, on peut dénombrer, selon Avnel, près de 23 000 soldats allemands en Lettonie. Une force importante, dont von der Goltz n'aura cependant pas le loisir d'utiliser, car face à la pression des alliés, il finit par quitter son commandement avant de rentrer en Allemagne le 26 septembre 1919. Néanmoins, comme une tentative ultime de peser encore sur les affaires de la région, von der Goltz va utiliser une technique assez originale, un moyen qui nous est dévoilé par l'une des chansons de la Division de Fer. Écoutez. La Légion allemande, un procédé qui consiste tout simplement à placer tous les soldats allemands présents en Lettonie sous le contrôle des Russes blancs. Des Russes blancs dont il existe en Lettonie deux groupes. Le premier mené par le comte Lieven, qui faisait partie de la Baltische Landeswehr, mais qui le 9 juillet avait quitté le pays pour rejoindre le général russe Yudenich, qui se préparait à Narva pour une offensive en direction de Petrograd. Le deuxième est celui que les Allemands constituent depuis mars 1919, à partir de prisonniers russes libérés de leur camp et transférés en juin à Jelgava. Il est dirigé par celui qui va devenir le personnage central de notre épisode, Pavel Bermont-Avalov. Pavel Bermont-Avalov, un homme qui mériterait à lui tout seul toute une vidéo tellement il y a de choses à dire à son sujet. Ici, je me contenterai de dire qu'il s'agit d'un Russe né en Géorgie, ayant servi avant et pendant la guerre dans la cavalerie, notamment parmi les Cosaques, d'où son uniforme qu'il portera durant toute cette aventure, le fameux manteau circassien. Général de division 1918, fait prisonnier en Ukraine, les Allemands le ramènent dans un camp en Allemagne où ils forment un corps de volontaires russes blancs avant de prendre la succession de Lieven à la tête des forces blanches de la Baltique. Car à l'inverse de ce dernier, il refuse en juillet de rejoindre Yudenich à Narva, arguant que la formation de sa troupe n'était pas achevée. Bermont est également souvent dépeint comme un homme fantasque avec une réputation d'aventurier. C'est avec cet homme qu'avant de partir, von der Goltz conclut un accord. Un arrangement soutenu par Berlin qui voit une façon de maintenir une présence allemande dans la région. Les soldats allemands prennent la nationalité russe et se placent sous le commandement de Bermont. Ainsi se constitue l'armée des volontaires de l'Ouest, mixant russes et allemands comme en témoignent les uniformes mélangeant les éléments des deux pays, mais qui ont tous en commun un signe distinctif, la croix orthodoxe blanche sur la manche gauche. Cette armée russo-allemande qui a son QG à Jelgava est organisée de la manière suivante. Le premier corps, surnommé Corps Comte Keller, compte environ 10 000 Russes postés entre la mer et la route Riga-Jelgava. Le deuxième corps, celui des volontaires allemands, compte environ 40 000 hommes de la division de fer de Bischoff, mais également de la légion allemande du capitaine Sievert et d'autres corps francs. Le corps du colonel Virgolich compte environ, quant à lui, à peu près 5 000 Russes. En tout, un peu plus de 50 000 hommes, armés d'une centaine de canons, de 600 mitrailleuses et de 50 obusiers, ainsi que de 120 avions, mais tous ne participeront pas à l'engagement, car étant dispersés sur l'ensemble du territoire letton, mais aussi la Lituanie, eh bien Bermont ne pourra jamais en employer plus de 25 000.
Ainsi, ces hommes que l'historiographie a surnommés les Bermontiens n'auraient plus l'obligation de quitter la Lettonie puisque par ce procédé, ils deviennent théoriquement une force qui a vocation à combattre les soviétiques, ce qui est en accord avec l'armistice de Strassenhof. Mais vous aurez compris que pour Bermont et pour von der Goltz, ce n'est absolument pas l'objectif. Leur but à eux, c'est de marcher sur Riga en prétextant la capacité du gouvernement letton mené par Ulmanis à combattre les bolcheviks. Suite à quoi, il s'agirait de prendre le contrôle des États baltes qui seraient déclarés provinces russes avec un gouvernement autonome comprenant de nombreux germano-baltes, parmi lesquels Niedra lui-même, et dans laquelle évidemment les Allemands exerceraient une forte influence. Autrement dit, Bermont n'est qu'un pion au service des intérêts de l'Allemagne. Du côté letton, Ulmanis et son ministre de la Défense et commandant-en-chef des forces armées David Simonsons s'appliquent dès l'armistice à créer une armée nationale. À la brigade du Nord s'ajoute la Landeswehr, placée temporairement sous le commandement anglais du colonel Alexander, qui épure l'unité de ses éléments allemands. Ce premier noyau d'expérimentés est complété par des recrues locales et des prisonniers de guerre dispersés dans le monde entier et revenant au compte-gouttes. D'ailleurs, Avenel évoque le cas de plusieurs d'entre eux, comme celui des 17 prisonniers à Verdun ou des 170 Lettons à Salonique. Il faut ajouter les régiments de Lettons combattant en Sibérie pour le compte de Kolchak. L'ensemble des forces lettonnes est désormais organisé en 3 divisions avec chacune 3 régiments. La division de Courlande du colonel Balod, qui combat sur le front oriental les soviétiques, la division de Livonie et la division du Latgalais, qui est basée autour de Riga et qui est encore en formation. Pour armer tout ceci, en septembre, les Britanniques et les Français et les Américains débarquent de l'armement, pas moins de 19 000 fusils, 16 canons et 25 mitrailleuses, qui contribuent à accentuer l'hétérogénéité de l'aspect du soldat letton, qui peut porter aussi bien une vareuse russe qu'un uniforme allemand, tout en portant un casque Adrian. C'est le 1er octobre, lors d'une réunion secrète à Jelgava, que Bermont prend la décision d'occuper la capitale afin de renverser le gouvernement national. Il adresse à Riga la demande de pouvoir faire mouvement, de traverser la Lettonie, afin de rejoindre le front contre les bolcheviks. Mais devant le refus d'Ulmanis, qui n'est pas dupe de ses réelles intentions, Pavel Bermont lance un ultimatum le 16 octobre. Les tensions débutent sur le terrain, et finalement le général russe débute son attaque au matin du 8 octobre par le bombardement de Riga par 11 avions allemands. En même temps, les troupes au sol commencent à progresser en direction de la capitale. Afin de justifier son attaque, Bermont accuse le gouvernement provisoire letton de vouloir se réconcilier avec la Russie soviétique. Alors il est vrai que le 29 septembre débute à Tartu une conférence de la paix, avec la participation des 3 États baltes et de la Finlande, après que Moscou ait entamé des pourparlers de paix, mais c'est un prétexte ridicule, car aucune décision n'y est prise par les participants qui attendent tout simplement les résultats de l'offensive de Judenich qui a commencé quelques jours auparavant. Les Bermontiens sont plus nombreux et beaucoup mieux armés que les Lettons. 25 000 hommes contre 11 500 dont la formation n'est même pas achevée pour défendre un front de 30 km avec un armement médiocre. Et bien pourtant, ces derniers parviennent à retarder l'armée des volontaires de l'Ouest, notamment sur l'autoroute Riga-Jelgava où la division de fer est ralentie après avoir subi de lourdes pertes. Une rudesse des combats, comme en témoigne cette photographie prise le 8 octobre, qui présente l'une des rares voitures blindées de l'armée lettonne qui a été détruite près du cimetière de Balochi et dont l'équipage a été tué. Contrairement à ce qu'avait réussi von der Goltz en mai 1919, Bermont ne parvient pas à atteindre les ponts de la Daugava dès le premier jour, empêchant dès lors l'occupation rapide de la capitale. Cette résistance des Lettons, malgré des moyens inférieurs, s'explique par le fait que le gouvernement letton, qui n'a jamais été dupe des intentions de l'armée russo-allemande, avait déjà préparé depuis août la défense de la capitale. Il faut ajouter que cette agression contre celle-ci a donné un caractère très patriotique à cette guerre. Dès les premiers jours, on voit des Lettons se réengager dans des bataillons de volontaires, notamment des étudiants, des cheminots et des mineurs. La mobilisation régulière d'octobre complète l'armée lettonne avec 8000 hommes, ce qui fait que celle-ci finit par atteindre 50 000 hommes. Un soutien populaire que l'on retrouvera durant toute la bataille durant laquelle les habitants soutiennent l'armée par leurs actions, à l'image de Justine Tsaxté, épouse du futur président Yanis Tsaxté, qui collecte des dons pour nourrir les défenseurs de la capitale.
Enfin, le front contre les bolcheviks étant calme, les soviétiques avaient fait une proposition de paix en septembre, les lettons ont pu dégarnir ce front au profit de la défense de Riga. Si bien que même si les germano-russes finissent par rompre le front et occuper la Parada Ogava, c'est-à-dire la rive gauche de Riga, en échouant à prendre le contrôle des ponts dès le premier jour, le sort de l'attaque de Bermont est déjà scellé. Les troupes lettonnes, elles ont eu le temps de se replier sur la rive droite de la Daugava, qui est devenue une véritable ligne fortifiée. Et pourtant, un flottement a régné dans cette défense lettonne l'espace d'une journée, car le colonel Jorgis Semitan avait ordonné l'évacuation de Riga, un ordre désapprouvé par l'état-major et qui n'est pas respecté, et qui va coûter à Jorgis Semitan son poste. Il n'empêche que le gouvernement, lui, a bien déménagé à Tchessis. Mais à la grande surprise des lettons, les Bermontiens, à part quelques échanges de coups de canon, n'entreprennent aucune action contre Riga dans les deux jours qui suivent. Bermont se contente de prendre le contrôle de la rive gauche de la Daugava, ses troupes investissent Viesité le 13, et il envoie une proposition de négociation le cessez-feu le 10, mais qui reste sans réponse, si bien que le bombardement de Riga reprend le 13 octobre et devient quotidien à raison d'une centaine d'obus par jour. Totalement bloqué, la situation commence à se retourner contre Bermont avec une inversion du rapport de force. À la demande d'aide d'Ulmanis, les Estoniens répondent par un envoi de 50 soldats et de 2 trains blindés qui arrivent à Riga au matin du 10 octobre. Mais l'aide principale vient surtout des Alliés, qui demandent à l'armée des volontaires de l'Ouest d'évacuer la Lettonie avant le 15 octobre. L'escadre britannique de Cowan, qui est à ce moment dans le golfe de la Finlande, cesse de soutenir l'offensive de Judenich et se dirige vers Riga, où se trouve déjà l'escadre française de Brisson. Non seulement ils débarquent du matériel de guerre, 22 canons, 8000 fusils, 124 mitrailleuses, des milliers de grenades qui renforcent la capacité de feu des lettons, mais en plus, par le feu des canons de leurs navires, ils empêchent aux russo-allemands toute tentative de débarquer sur la rive droite. Et en réalité, dès le 11 octobre, l'armée lettonne est dans la préparation d'une contre-attaque. Elle privilégie la zone comprise entre Riga et la mer, où là, l'armée lettonne peut profiter du soutien de la flotte alliée. Les défenses de la capitale sont dégarnies et laissées à la charge des volontaires étudiants, afin de pouvoir concentrer des forces régulières dans l'estuaire, essentiellement les régiments de la division Latgalais. Le 15 octobre, l'ultimatum des alliés ayant expiré, les régiments lettons entrent en action. À l'aide de la flotte alliée, qui bombarde les positions russo-allemandes, surtout les avisos français, plus petits, manœuvrant plus facilement sur la Daugava, les soldats lettons traversent le fleuve par surprise et s'emparent de Dovgavgriva et de Bolderachia, situés sur la rive gauche de l'estuaire. Les 300 Russes blancs sont faits prisonniers avec leur matériel de guerre, un précieux trophée pour les Lettons. C'est un premier revers pour Bermont qui, de son côté, tente plusieurs attaques le 19 octobre, le 1er et 9 novembre sur Buskov, Jaunjelgava, mais également sur Libao le 4 novembre et le 15, mais toutes sont repoussées. Le moral commence à chuter dans l'armée des volontaires de l'Ouest. Après tout, ils ne combattent pas des bolcheviks qui étaient le cœur de leur motivation, alors que de leur côté, les lettons combattent pour leur nation et leur moral est regonflé par le soutien des alliés et leur premier succès. Le 16 octobre, le colonel Yanis Balodis est nommé commandant en chef de l'armée lettonne. Son chef d'état-major, Peteris Radzins, prépare le plan d'attaque décisif qui doit partir des nouvelles positions conquises. Une attaque qui débute le 3 novembre et qui dégage peu à peu la ville. Les trois régiments, le 8e au centre, le 7e à gauche, le 9e à droite, et qui est appuyé dans l'action par 2 compagnies de marins britanniques débarquées à Jurmala, progressent le long de la côte au nord de la ville et commencent un mouvement d'enveloppement. Alors la résistance russo-allemande est plutôt forte, ce qui fait que la progression est lente et les lettons finissent par atteindre Solitude seulement le 10 novembre. Et le lendemain, le 11 novembre, un an jour pour jour après l'armistice, tout le territoire ouest de Riga est repris. La libération de la capitale ne veut pas dire pour autant la fin de l'offensive, c'est sur tout le territoire que l'attaque se généralise. Bauske est reprise le 16 novembre, les lettons s'approchent de Jelgava. Bermont s'enfuit alors en Allemagne. Il est remplacé par Eberhardt le 18 novembre qui demande la fin des hostilités, mais les lettons veulent cependant pousser leur avantage jusqu'au bout. Ils occupent Jelgava le 21 novembre, tandis que depuis Ventspils et Libao, le reste de la Courlande est reprise à la fin du mois.
L'armée lettonne n'arrête sa progression que le 3 décembre à la frontière lituanienne, vers laquelle l'ennemi a été complètement chassé. Au total, Vermont a perdu 5000 hommes, ce qui représente quand même un homme sur 5. Quant aux Lettons, ils dénombrent 743 hommes tombés au combat. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car certes les combats sont achevés en Lettonie, mais ils se déportent en Lituanie, où se trouve désormais l'armée occidentale des volontaires, certes réduite, mais pas détruite. Mais le 22 novembre, l'armée russo-allemande subit le coup de grâce avec la défaite de Radvilis face à la première division lituanienne. Là aussi, Eberhard est sommé d'évacuer la Lituanie avant le 13 décembre. Les derniers soldats de l'armée des volontaires de l'Ouest, complètement démoralisés, se retirent donc en Allemagne en décembre. Une fois rentrés au pays, les soldats sont démobilisés, les 5000 Russes, eux, sont maintenus au camp de Magdebourg, tandis que les Allemands de la division de fer sont postés au camp de Münsterlager, avant qu'ils ne participent au putsch de Cap en 1920. Mais je n'en dis pas plus, car ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Quant à la guerre d'indépendance lettonne, elle ne s'achève pas là, puisqu'il reste le conflit qui oppose Riga aux soviétiques. Pour les Lettons, il y a encore quelques combats aux côtés des Polonais contre les bolcheviks en 1920, avec notamment la prise de Dovgavpils le 5 janvier. Le 3 février, la libération du Latgalais devient complète. L'URSS demande un armistice qui est signé le 1er février 1920, mais c'est seulement le 11 avril avec le traité de Riga que la guerre d'indépendance prend officiellement fin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette guerre d'indépendance de la Lettonie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à la commenter. Ça aide beaucoup la chaîne qui, malheureusement, depuis quelques mois, subit les conséquences d'un algorithme de YouTube beaucoup moins favorable. Évidemment, cette série sur ces conflits qui ont suivi la Première Guerre mondiale est très loin d'être achevée. Il y a encore tellement de choses à voir. La guerre russo-polonaise, gréco-turque, la guerre civile finlandaise, les événements qui ont lieu en Hongrie, en Lituanie, les interventions des Occidentaux contre la Russie bolchevique. Bref, si vous êtes intéressé par tout ceci, eh bien n'hésitez pas à adhérer à la chaîne pour être mis au courant et à venir me rejoindre sur le Facebook de la chaîne où par exemple j'ai posté dernièrement tous les projets qui auront lieu au cours de l'année 2022. Eh bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, longue vie et prospérité.